Bonjour tout le monde. Je tiens à vous préparer une petite recette bien facile, bien rapide pour nous capables de manger à du riz blanc, à pain, à spaghetti. Tout ça, nous préparer un petit légume, je vais sauter, qui ça vient là-dedans, il vient, ça vient là-dedans. Par contre, comment je vais aller dans l'autre. Langue, si on est comment vous dites dans l'autre langue, ou bien vous dites, écrit en commentaire, dites comment vous dites dans l'autre langue, bien, c'est italien, moi j'ai un carotte là qui est découpé en long, moi j'ai un espinaca, moi j'ai un petit tomate là qui, c'est ça que vous allez faire en bon, moi j'ai un métier de lâcher, mais donc c'est un petit appui là-dedans, moi j'ai ajouté tout petit légume ça y est là, ça c'est légume que j'ai découpé. C'est petit bail pour vous dire que vous avez un gros estomac là, mais comment on a fait estomac là? Bien. Ok, ça est plus long que nous avons là avec celui casserole que nous avons sous du feu. Il y a un petit bout avec un petit épice là-dedans. Qu'on a pour ajouter les légumes qui sont déjà découpés. Là, nous avons les carottes là, un petit gentil. Mettez les carottes là avant. Faire un petit chauffer avant, après ça m'a ajouté l'autre légume. Ok, tomate, carotte là, fin, y a un petit genre fruit dans l'huile là. Qu'on y a la même, on a ajouté tomate, on a ajouté tout le petit légume là. Non, elle est mes amants. C'est des légumes que j'ai tout préparé, mettez dans le frigidaire. Les maps servi avec lui, c'est pas le ça. On va le découper maintenant. Moi, tout préparé. Prochaine fois, je vais montrer comment moi tout préparé, mettez dans le frigidaire. Et puis là, on a ajouté espinaca. On a ajouté espinaca, non? Vous voyez comment tout découper, c'est comme ça que tout préparé et mettre dans le frigidaire. Vous voyez les gars, vous voyez comment tout préparer, c'est comme ça que moi-même j'ai acheté et moi laver, moi nettoyer, moi découper, moi mettre dans le frigidaire. Ensuite, moi gagne avec moi chou ça que me découper. Moi tout découper et mettre dans le frigidaire avec brocoli. Moi j'aime le brocoli en pile. Parce qu'il est vraiment bon, il est fier là-dedans, il est vraiment bon pour la santé. Non? Avec brocoli, ça y est, tout ensemble, je vais ajouter dans les légumes. Non? Et je vais quitter le fer parce que les légumes, pour mettre dans le fer, quitter le cuit trop, tout vitamine, il est censé perdre là-dedans parce qu'il va être tout badoué pour cuire. Je vais mettre environ 5 minutes. Ma couvrir après 5 minutes, la prête pour nous manger. Non, elle est mes amours. On y a qu'à l'ajouter brocoli. Fin ajouter brocoli. Ma couvrir, ma quitter le fait 5 minutes. Après 5 minutes, non, la prête pour manger. Plein chaud de la bordée. Regardez la bordée.
Ok, mes amours, c'est prêt là. On va le vider dans un bol avec salade pour nous capables de déguster. Et voilà, mes amours, c'est prêt. C'est prêt avec une couche de mayonnaise. Formidable, c'est délicieux. C'est prêt pour le riz, c'est prêt pour le spaghetti. C'est prêt, mes amours, c'est prêt, c'est prêt. C'est prêt, mes amours, c'est tellement bon. Oh, waouh! Vous ne sentez pas l'odeur? Tellement bon, c'est tellement bon.